servi pendant une trentaine d'années comme avion école de base. À l'époque de cet avion, on s'était dit pour le pilotage élémentaire, pour apprendre à quelqu'un qui n'a jamais même mis son derrière dans un avion, eh bien, de manière à être cohérent, il faut faire toute la formation sur avion à réaction. Et donc, ça a été une époque où on ne comptait pas d'ailleurs les litres de kérosène au passage, et où les problèmes économiques posés aux armées n'étaient pas tout à fait ceux d'aujourd'hui. Donc, fut un temps où les élèves pouvaient, certaines sélectionnées, fraîchement sortis des épreuves de sélection, se retrouver pour leur premier vol dans un Fouga Magistral. Et tous ceux qui ont volé sur cet avion s'en souviennent avec vraiment de l'émotion. Il y a des avions qui vous marquent, il y a des avions qu'on aime, mais le Fouga, j'ai jamais rencontré quiconque soit passé par le Fouga qui, certes, tout le monde lui trouvait un défaut, ce qu'il ne peut pas avoir assez de pousser, mais d'un autre côté, tout de suite on corrigeait en disant « Ah oui, mais ça formait des gens fins, des pilotes extrêmement fins. » Result of a study that combined the work of four famous French engineers, Gaston Fouga, Pierre Maubussin, an outstanding